Bon, salut les amis, je suis venu rencontrer un abonné sur ma chaîne, sûrement. T'es abonné sur ma chaîne, t'as intérêt. Hein. Ouais, ouais. Donc on est venu faire une petite pêche au lac des Effres, à Sgondigny dans le 79, sur le même poste qu'on était venu avec mon beau-frère et puis avec un copain. Parce qu'on aime bien pêcher ces deux petits bras là. Enfin, moi j'aime bien, après je sais pas, on verra comment ce que ça donne aujourd'hui. Pour l'instant on a des bips, mais ça sent le chat. Donc stratégie toujours pareil pour moi. Et puis ben, il va se présenter et il va nous dire comment il pêche. Dans l'eau déjà. Ouais, c'est ça. Bon, moi c'est Romain. Du coup, moi aujourd'hui j'ai fait une canne avec des billes hot tuna de chez Nash. Et après j'ai acheté du coup des billes moule crabe chez toi. Donc j'ai mis une canne avec ces billes là. Et carrément décalé, j'ai mis une canne avec des graines et une tiger. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc ce matin le poisson bougeait pas mal, donc je pense que ça devrait le faire aujourd'hui. En tout cas, bien content d'être là avec toi. Ouais, on va passer un bon moment déjà. C'est ça, il fait on est beau. Là pour la journée, il va faire beau. Par contre, la température descend. De 20 degrés, on est passé à 8 degrés le matin. Et c'est pour ça qu'on a les blousons. D'habitude, il n'y a pas longtemps, on faisait des vidéos en t-shirt, mais pas là. Non, c'est sûr. Alors, on va essayer de filmer des touches en direct et de prendre avec du poisson. Donc les montages, moi, c'est toujours pareil. Hein, c'est du poisson-chat. C'est toujours plomb, clip plomb, montage fluorocarbone combiné tresse, hameçon de 4 et plomb de 60 grammes. Et toi tu pêches pareil? Ouais. Moi en clip plomb aussi et je suis en 70 grammes. Ok. Bon allez, on va vous reprendre tout à l'heure et on va essayer de vous faire voir un petit poisson quand même. Bon, j'espère que ça sera pas un poisson chat ou une braine, mais bon. Ça sera un poisson quand même. Allez, à tout à l'heure. T'as un poisson? Des fois je me demande. Putain, t'es rendu où Wilfried? Tu crois qu'on est en hiver là? Ouais, là je suis bien. Là. Vous l'avez reconnu, c'est mon fils. Tu ramènes quoi, une brème? Mais je te jure, je sais pas. Fais gaffe. C'est pas possible. Mais... Bon, on n'a pas le départ en direct, les amis. Bon, le fiston, il a la tête dans le cul. Il est rentré de boîte à 5 heures, levé 6 heures. Non, même pas. 5h30. Voilà, premier poisson. Une coco tout en hauteur. On dirait un carassin. Et un gros carassin. Tu même regarde la queue là. Ouais, c'est. Elle est vachement haute. Oh, je croyais que t'allais viser le cul. Non, j'abîme. Fais-nous un sourire, je ferai. Est-ce que tu veux que je te prenne en photo avec... Oh, non, je prendrai la photo sur le caméscope après. Bon allez, on va la relâcher. T'as l'air d'avoir de la peine à la soulever. Non, l'eau elle est froide. Ah oui, hein, il fait plus 20 degrés.
Allez, on la remet. Allez. Ça fait quoi ces algues? Je sais pas, mais l'eau elle est bizarre. Elle est chiée cette carpe ou... Bon les amis, j'ai dans mes relevés. Petite miroir. Je parie qu'elle va me faire chier dans le tapis, ça c'est sûr. C'est pas un gros poisson. Mais c'est un poisson quand même. Bon allez. On va y rendre sa liberté. Pas que... Elle a pas une grosse bouche, hein. C'était une bouillette de vin, c'était mort. Hein. Allez, on la remet à l'eau. Non, Fox. Ok, go. Bon. Collègue, on a piqué une, enfin. On l'attendait depuis longtemps. Faut peut-être prendre l'épuisette. Ouais. Tu la prends, Will? Ouais, c'est le même gabarit à peu près. Ouais, c'est ça. Dans ta tête parce que c'est toi que je vais prendre. Là. Mais non, mais non. Ah si? Mais non. C'est un sacré poisson. Attends, je vais me mettre là-bas. Je mets un peu là. C'est des petites nerveuses hein, quand même. Hein. Par contre, je peux vous dire, les amis, c'est qu'on n'a pas si chaud que ça. Non, c'est ok. Ils arrivent au bord, elles sont pas contentes. Hein. J'ai oublié de dire le jour qu'on était. On est le 17 septembre 2020. Et franchement. Allez dedans! Là par contre, elles ont une belle forme, c'est des poissons qui grossiront ça. Ouais. Elles sont énervées. Je vais trembler, moi tellement j'ai froid, mon dieu. Ouais, ça fait quoi ça? Ça fait 2 kilos? Ouais, ça fait comme la mienne dans les 2 kilos. Ouais, ça fait plaisir! Ouais. On fait une touche. Avec les petites billes moule crabe. Impeccable. Bon petit poisson. En tout cas, elle est jolie. Ouais, elles sont bien faites. Il manque plus qu'à grandir. Allez-y, on va remettre ça. Là. Vous l'énervez, vous l'énervez. D'ailleurs, là, faut la relâcher. Hop. C'est des bulles. Et voilà, deuxième poisson. C'est quoi? On va la filmer tout de suite là, hein. Vu qu'il y a les moitiés énervés là. Oh là, oh là, oh là, oh là, ouais. Oh, ça fait super plaisir. Ouais, là, tiens. Tu l'aimes le poisson? Un cadin. Elle veut pas, se laisser faire. Allez, elle prend vie. Allez, laisse-toi faire, mémé, on va te relâcher. Voilà. Elle est jolie. Ouais. Elle a de belles couleurs. Nickel. Deuxième. 2-2, impeccable. Avec les mêmes. Là, on peut rentrer tranquille. Impeccable. Toujours avec les bouillettes, elle, tes bouillettes. Moule crabe. Moule crabe. Hop là! Je croyais qu'elle allait s'endormir là maintenant. Hop. Oui. Yes! Bon les amis,
Et on n'a même plus de canne à l'eau, on est en train de ranger. Je prends cette canne, elle démarre dessus. J'avais la canne dans les mains. Non mais je rêve. J'enlève la canne à mort dessus. Ah ouais, ouais. Putain. Sérieux, je veux pas mouiller les puisettes. Et quand tu me dis ça a sauté, je regarde, le moulinet il fait. On va la décrocher comme ça les amis, on va pas se faire chier. En plus elle est piquée juste au bord. On va pas mouiller les puisettes. Voilà, une petite carpette. Oh, comme ça, ça va même pas l'abîmer, regardez. Peut-être que ça va m'abîmer à moi, peut-être. Elle se laisse faire, elle est mignonne. Bouge pas, pépette. C'est qu'elle est bien piquée quand même. J'y arriverai mieux comme ça. Voilà. Tiens. Ah, c'est cool. Bon ben. Du coup, hein, ça fait 3. Allez. Génial. Good. Bon les amis. Bon, mon fiston, il est là avec la canne dans les mains. Hein. Il ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, petite journée super sympa. On a passé un bon moment. Nickel. On a fait connaissance. On va peut-être se refaire une pêche dans la Seine-Nortaise ensemble. Pas de soucis. Sur des parcours de nuit, ça serait cool. Et puis voilà, on a, ben, du coup, ben, dernière canne dans l'eau. Je la prends dans les mains, je déclipe le clip long. Poisson au bout, impeccable. Donc voilà, que demander de mieux. On fait 5 poissons malgré une journée avec le poisson qui avait la bouche fermée. Un peu, mais bon, 5 poissons c'est cool. Allez, on va vous dire à bientôt et à une prochaine aventure. Et je suis content d'avoir fait sa connaissance. Moi aussi. Super personne, très gentil. Allez, ciao, bye bye.